Assisté par son représentant gérant et son avocat conseil, l'homme d'affaires Dan Gettler s'est dit soulagé par cette solution à l'amiable. C'est une nouvelle page qui s'ouvre dans les relations entre son groupe et la République démocratique du Congo. De premier abord, je voudrais d'abord remercier le président de la République parce que c'est grâce à lui qu'on a pu conclure ce protocole, on a signé ce protocole entre le groupe Ventura et la République démocratique du Congo. C'est vraiment un grand soulagement parce que c'est un litige qui dérange et qui a duré, mais maintenant c'est balayé par ces protocoles et nous sommes vraiment soulagés. Je crois que c'est bon pour le groupe, c'est bon pour la République, c'est bon pour le peuple congolais. Et grand merci surtout au président de la République. Ayant repris les contrôles de ses actifs, la République démocratique du Congo va désormais les valoriser au mieux de ses intérêts pour le plus grand bénéfice de sa population, et ce, conformément à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.